J'en suis déjà à mon 5e jour et je ne reste malheureusement qu'une semaine. Il me faut penser aux cadeaux souvenirs. Et la ville de Krouya semble être un endroit propice. Le bazar est constitué de nombreuses boutiques d'artisanat local. C'est certainement l'une des villes où j'ai pu croiser le plus de touristes. Tu connais ça? Ça, c'est typiquement albanais. Cette cité est le symbole de la résistance au siège turc à l'époque de Skanderberg, qui est aujourd'hui le héros national en Albanie. Sa forteresse, qui abrite un musée à sa gloire, surplombe la ville de Krouya. Ouais. On ne fait pas le petit. Il est mignon le petit aussi. N'importe où l'on soit, on peut remarquer quelque chose d'étonnant en Albanie. Ce sont ces bunkers. En 1979, Enver Hoxha décida de les faire construire dans tout le pays pour parer les éventuelles attaques de l'ennemi. Des tonnes de ciment et de fer qui auraient permis l'édification de maisons pour chaque famille albanaise sont gaspillées et sans aucune utilité. On va faire un tournoi si je veux. Un tournoi. Le soir, en rentrant à Tirana, c'était la fête. Tous les Albanais s'étaient réunis à la capitale pour célébrer le match qui aurait lieu le lendemain, opposant la Grèce à l'Albanie.